Bienvenue. Aussi éclairés, ils sont dans ce Mali qui est un pays merveilleux. Mais pourquoi on a toujours des présidents bizarres? On pose la question à Moussa Traoré, monsieur le président de la République, les criquets migrateurs sont en direction du Mali. Fait, je n'ai jamais interdit l'immigration en République du Mali. Mali, les gens rentrent comme ils veulent et sortent comme ils veulent. Et il n'est pas mieux que. ATT n'est pas mieux que lui. Hein. Hein? Aux États-Unis, tous les présidents se retrouvent autour de Obama et Ward qui commence, Ward est anglophone, enfin, il parle super bien anglais, tout ça, il a commencé à faire un discours super long en anglais, mais vraiment d'une éloquence mais incroyable. À partir d'un moment donné, il a fini la parole, il a fallu que quelqu'un d'autre prenne encore la parole, et c'était ATT qui fait. Non, comme mon grand frère Ouad a parlé, Ouad fait non, le Mali de Sénégal. Alors, Ibeka n'est pas mieux aussi. Lui, il a la tête pleine, mais le problème c'est que tout ce qu'on entend de ce qu'il dit, c'est Inch'Allah. Le reste, c'est. Inch'Allah. Ils ont sûrement un point commun avec un personnage que j'aime bien, qu'on appelle dans le Moyen-Orient Nasruddin. Nasruddin qui un jour était en train de laver son chat, il y a son voisin qui passe et qui lui dit, mais Nasruddin, qu'est-ce que tu fais? On ne lave pas un chat, tu vas le tuer. Il dit, non, moi, mon chat en a l'habitude, je le lave tout le temps, il n'y a aucun souci, il adore ça. Puis le lendemain, le voisin, il repasse, Nasruddin est arrêté, pas de chat. Il fait, Nasruddin, il est où ton chat? Ah, il est mort. Ah, je t'avais dit qu'il ne fallait pas le laver. Non. Ce n'est pas en le lavant que je l'ai tué, mais c'est en l'essorant. voilà ce que les présidents que nous avons. j'aime bien aussi taquiner les Sénégalais. Il y a un type qui était marié à une Sénégalaise et quelqu'un lui dit, mais écoute, ton ami sort avec ta femme. Non, mais c'est pas possible, il vient voir sa femme. Alors je ne veux plus qu'un tel vienne chez moi, c'est terminé. Il faut plus jamais, quand je suis là, que ce soit là ou pas, il faut plus jamais qu'il revienne chez moi. Un jour, il était en ville, il y a quelqu'un qui lui dit, mais écoute, je viens de voir ton ami, il était chez toi. Il vient engueuler sa femme, mais qu'est-ce qui se passe? Je t'ai bien dit qu'il fallait pas que ce type-là fasse son pied. Il dit, mais il n'est pas venu. Non, quelqu'un m'a dit qu'il est venu. Il n'est pas venu, je te jure, parce qu'il est rentré seulement, il est sorti. Il a commencé à dire pour faire un enfant, non? Et ce reporter sénégalais, il fait un commentaire magnifique sur Christophe Sagna à l'époque, qui était un des plus grands joueurs africains. Maintenant, le Sénégal vient de bénéficier d'un pénalty qui va être transformé très certainement en but par Christophe Sagna. Parce que pour qui connaît Christophe Sagna, c'est un joueur de talent exceptionnel qui a évolué sur toutes les pelouses internationales. Christophe Sagna, le voilà donc qui va déposer la balle sur le point de pénalty. Christophe Sagna qui tire, oh, raté. Et qui a donné ce pénalty à Christophe Sagna qui n'a jamais marqué de but dans sa carrière? D'accord. Alors, j'aime bien Amadou Ampateba. Amadou Ampateba, lui qui on lui dit un jour, bon alors maintenant nous allons passer la parole à Ampateba, pour que Ampateba n'avait pas de portable déjà. Voilà, si vous ne l'éteignez quand tu verrais en public, voilà, merci. Alors, Ampateba, on lui dit, bon alors maintenant nous allons passer la parole à M. Ampateba pour qu'il nous dise ce qu'il conseillerait aux jeunes aujourd'hui. Et Ampateba qui fait, merci beaucoup, merci de m'avoir donné la parole. En me donnant la parole, vous me donnez une des choses les plus merveilleuses de l'existence. Parce que, après mon exposé, je vous demanderai de me poser toutes sortes de questions que vous voudriez me poser. Je vais m'efforcer de les répondre sans jamais me tromper. Je dis bien sans jamais me tromper, parce que je n'ai pas le droit de me tromper n'ayant pas le temps de recommencer. Parce que la parole est un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage, la chair l'éloquence et le noyau le bon sens. Alors,
J'ai eu l'occasion un jour de répondre à un jeune homme qui m'a dit un jour, quand c'était une assemblée à l'UNESCO, qui m'a dit, mais monsieur Ampateba, vous n'avez pas de licence. J'ai répondu à ce jeune, je lui ai dit, c'était un jeune de type européen, j'ai dit, mon enfant, nous n'avons pas de licence, mais nous avons le bon sens. Ce sont les gens de bon sens qui ont créé la licence. Et le premier homme qui a parlé de licence, on n'avait pas de licence. Alors je vous dis donc, en me donnant la parole, pour que je dise aux jeunes, qu'est-ce que je peux leur conseiller? Eh bien, vous venez de me mettre à ma disposition une des choses les plus merveilleuses du monde, c'est-à-dire la parole. Parce que la parole, elle heurte, elle coupe, elle module, elle modèle, elle forme, elle reforme, elle déforme, elle irrite, elle amplifie, elle apaise, elle rehausse, elle abaisse, elle rend malade, elle guérit, et selon sa charge, elle tue net. Une fois émise, on ne peut plus la rattraper, elle déclenche et termine tout. J'adore ce petit texte-là qui a été écrit par une traduction donc, d'une chanson malinké traduite donc, par Massamba Diabaté que j'ai adoptée depuis un certain temps et donc que j'aime bien raconter aux gens. Et ma fille, Sarah. Ça c'est beau. Parler est un art difficile. Le tout est de savoir le poids des mots. Celui qui essaie de tailler doit s'en remettre au griot, car dans l'héritage du mandingue, c'est à eux qu'appartient la parole. On chante Sarah pour ceux qui savent se souvenir. On chante Sarah pour ceux qui n'ont qu'une parole, car Sarah c'est le charme. Et le charme est le gage de la parole donnée. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu dont Mahamadou est le prophète qu'il est si difficile de parler. Et pourtant, on ne peut jurer que par la parole. Alors, pourquoi renier en toute liberté sa parole donnée? On l'a chanté pour une jeune fille. Tous les matins, elle nouait autour de sa taille 12 pagnes d'égale fraîcheur. Mais aujourd'hui, on peut la chanter pour les hommes, car Sarah, c'est le charme. Et le charme est le gage de la parole donnée. Romandal, Kokai. Merci. Elle avait dit à son amant, je t'aime d'amour. Et l'amour est un don gratuit. L'amour voit ce que l'œil ne voit pas. L'amour tait ce que la bouche se plaît à taire. Car je t'aime pour toi-même. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahamadou est le prophète, il est si difficile de parler. Et pourtant, on ne peut jurer que par la parole alors. Pourquoi renier en toute liberté sa parole donnée? Professeur, merci. Merci à toi. Merci, maître. Elle avait dit à son amant, je t'aime encore, mais cet amour n'est pas sans danger pour toi, car je suis fille de roi et mon père à l'apprendre te mettra à mort. Un homme d'honneur devrait choisir la mort ou la prison pour respecter sa parole donnée. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu dont Mahamadou est le prophète qu'il est si difficile de parler et pourtant on ne peut jurer que par la parole. Alors pourquoi renier en toute liberté sa parole donnée? Je t'aime encore, dit la jeune fille, et si tu en doutais ce soir-là même, je me tournerai à toi. J'ai peur, dit le jeune homme. As-tu jamais vu une princesse amoureuse du palais premier de son père? Tu as peur? Dit Sarah. Alors va-t'en loin de ce pays. Mon père me destine à un prince, et quand tu t'en iras et quand on voudra me conduire à lui, j'aurai mal et tous les féticheurs du monde seront impuissants à me guérir, car j'aurai mal à la parole donnée. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu dont Mahamadou est le prophète qu'il est si difficile de parler et pourtant on ne peut jurer que par la parole. Alors pourquoi renier en toute liberté sa parole donnée? ?
là, le jeune homme s'en alla. Quelque temps plus tard, on voulut conduire Sarah chez le prince auquel elle était destinée. Au beau milieu du cortège, à quelques pas de la case nuptiale, elle se transforma en tourbillon. 7 ans plus tard, le jeune homme, devenu fou au cours de son aventure, revient au village et se met à courir derrière tous les tourbillons en chantant Sarah. Voyez-vous, moi qui suis un homme, je vous chante Sarah, mais je dois reconnaître qu'au départ de l'amour, la femme est plus tenace que l'homme. Difficile est l'art de la parole et contraignante la parole donnée. J'atteste devant Dieu, dont Mahamadou est le prophète, qu'il est si difficile de parler et pourtant, on ne peut jurer que par la parole. Alors, pourquoi renier en toute liberté sa parole donnée? On chante Sarah pour ceux qui savent se souvenir, on chante Sarah pour ceux qui n'ont qu'une parole, car Sarah c'est le charme, et le charme est le gage de la parole de Dieu. Thank you.